I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite d'Horizon Forbidden West. Nous sommes à la partie 17 des vidéos et je suis heureux de vous retrouver pour cette folle aventure. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, donc vas-y, lâche-toi, lâche ton tube au pouce, les deux pouces, les orteils, tout, lâche tout, tes pieds même. Vas-y, on voit du lourd. Et nous démarrons de là. À la One Again Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs. C'est ça, Birdie? Ouais. On se prend aussi à boire, à manger, je l'ai pas dit, on se met dans le noir. Hein? Allez, go, comment on y va? Donc, nous nous étions arrêtés sur un creuset, un boss qu'on n'arrive pas à passer. Voilà. On est bloqué ici. On va essayer de try. Je crois que ce dôme de lumière protège la machine. On va se mettre des pièges. Oui. On va se mettre des pièges. Il devrait y avoir un nœud que je peux pirater pour le désactiver. On se met les pièges. Maximum de pièces placées, on peut en mettre que 3. Bon, ben écoutez, on va en mettre que 3, c'est un peu con ça. Là, on peut pas se refabriquer de ça, ok. Bon, les amis, j'ai envie de vous dire, on va se la faire comme on peut, hein. Il n'y a pas beaucoup de vie. La vie c'est pas la mort, blablabla. Bla bla. Et la mort c'est pas la vie, mais pour le moment, depuis l'épisode précédent, eh bien on meurt beaucoup. C'est un creuset, les boss font un peu plus mal. Je ne sais pas comment on va faire. Vous alliez vous occuper d'un truc. Ah, je peux monter là-haut. Ok, je peux monter là-haut. Ça va tout changer là. Si je les déclenche, je pourrais m'en servir. Thank you.
crois que j'ai trouvé la bonne strat là, les amis. On le bombarde d'ici. J'ai trouvé la strat. J'avais pas vu ça la dernière fois. On va y arriver, on va y arriver. J'avais pas vu ces photos. Il m'a fait tomber. C'est con, il y en a un autre là-bas. C'est top, c'est top, c'est top. Non, c'est pas top. Putain, j'ai pas de chance. Ils ont compris que vous savez, que vous avez compris. Non. Oh. Ouais, ce mode est terrible, ce mode est terrible. Donc les loulous, voilà, j'ai compris la strat. Eux, ils ont bien compris que j'avais compris la strat. On a tous compris la strat. Donc on va se les défoncer, je vous le dis. Je crois que ce dôme de lumière protège la machine. Oui. Il devrait y avoir un nœud que je peux pirater pour le désactiver. Allez. Non, non, fais pas ça, meuf. Voilà, comme ça. C'est parti. D'autres machines arrivent. Il a plus d'armes. Je crois qu'on a réussi, les loulous. On a eu le gros. On a eu le gros, les amis. Enfin. Il nous reste les petits. On va essayer de pas merder. Birdie, je crois, j'ai eu le gros. Il aura fallu deux épisodes et le début d'un autre. Je préfère rester là-haut parce que si je meurs, il y a tout à refaire. Vaut mieux être prévoyant étant donné qu'on a tué le voilà, étant donné qu'on a tué le gros, ça serait bête de mourir sur le petit. Et on a réussi, les amis, on a réussi. C'est grâce à votre soutien, je suis sûr, au soutien de ma femme Birdie. Elle pleure une machine qui a failli nous tuer. C'est quand même son dieu.
Ce n'est pas pour un dieu que je pleure, ni une machine. Mais parce que je ne sais plus en quoi je dois croire. Mmh. Écoute, Zo, si tu veux, tu peux rentrer chez toi. Ai-je vraiment un chez moi? Et si oui, jusqu'à quand? Peux-tu vraiment soigner nos terres? Sauver mon peuple? Notre premier côté, côté. Petit à petit. Ce n'est que le début. Elle a réussi. Elle a réussi, elle va pouvoir le pirater maintenant. Pas mal. On va monter. C'est pas fini. Comme l'a dit Aloy, ce n'est que le début. Waouh. Il va y avoir du sport encore, les amis. Par contre, est-ce que j'ai tout récupéré? Attendez. Aloy, le noyau. Mon focus y indique des hologrammes. On dirait des machines. Ce sont sûrement des piratages. Des et techniques pour. Si je fouille pas ce que j'ai tué, on va bien voir. Con, hein. Qui brille n'est pas de l'or, mais bon, ça aide à avoir pas mal d'items pour craft. Je devrais récupérer ces piratages avant d'aller plus loin. Ils pourraient être utiles. Récupère tout, ma petite Aloy. N'oublie pas la vie là-bas. Waouh, mais se creuser à la fin de l'épisode précédent m'avait vraiment donné du mal. Et là, bien vous voyez, grâce à une astuce, à une technique, elle escalait, mais ça passe dans ce mode. C'est le plus important. Allez, on y va. C'est de l'autre côté. Mais bien sûr. Piratage. Yeah, des cadeaux, c'est pour toi. On dirait que Phaistos a augmenté le niveau de sécurité des creusets. Certaines des données sont perdues. Je pense pas pouvoir y faire grand chose pour l'instant. Mon focus ne reconnaît pas tout. Sûrement des machines que je n'ai pas encore vu. Ok. Oui. Ne traînons pas alors. Et on remonte comment déjà? On remonte comment? Putain, je sais plus. L'œil de la terre, oh là là. Comment on fait pour partir déjà? Ah bien par là. Ça m'a ouvert ici. Bonjour diplômé d'Hyperso 9. Bienvenue dans le centre de... Accès non autorisé détecté. Ça sent pas bon du tout. Ah, c'était dis-moi, l'esprit. Dis-moi pas qu'il va y avoir encore... Je crois pas, non. Encore à combattre du là moins...
Pas directement. Ça sert à rien, ok. Super, donc dans le 1, je crois, le creuset, en fait. En remonté par ce qu'elle a piraté, en fait. Et là, ça a l'air différent. Mais, je te demande de pirater, putain. Ah, ouvrir la porte, merde. Excuse-moi, meuf. Super, bon, bah écoutez. C'est quoi cet endroit, en fait? T'as déjà vu quelque chose de ce genre? Non. Non. Là, c'est notre porte de sortie. Atelier tôt, ok. Y a rien du tout à faire, rien à prendre. Allez, go, on se casse de là. Erreur, accès non autorisé détecté. Comment ça ? Initialisation du verrouillage du site. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut trouver une autre sortie. Minerve est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen d'entrer. T'es sûr que tu veux y aller seule? Ouais, Minerve, elle peut se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. On reste là si tu as besoin de nous. Il fallait que je monte en fait, putain. Ok. Zo, est-ce que tu vas bien? Zo? Tout ça. Minerve. Héphaïstos. Gaïa. Ça va nous aider à soigner Mélopée ? C'est difficile à expliquer, franchement. Je comprends pas tout, mais... Super. Mais oui. Bon. C'est ce qu'Aloy cherche depuis le début. Je dois trouver où se cache Minerve. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. C'est quoi, ça ? Il fait bien rouge là-dedans, il fait bien rouge. Alerte. Accès interdit. Nous ne voulons pas de toi ici. Non, désolé. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, Minerve. Je pourrais peut-être ouvrir ça. Type de munitions infligeant des dégâts d'eau de pur. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis. Ah, à l'eau de pur. Je la prends comment, l'eau de purge? Putain. Peut-être tirer... Ah, le tracteur! Putain, la tracteur! J'avais oublié celui-là. Ça nous mène. Ah,
J'avais oublié l'attracteur. Putain, vraiment. Et non pas le tracteur, comme j'ai dit. Allez. Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. Ouais. Oh. Oh, le fragment, ça c'est beau. Ouais, ouais, la sortie, elle est par ici. Hein. Ça c'est clair. Voilà, enfin sorti du creuset, les amis. Voilà dehors. Je dois retourner dans le bâtiment. Je pourrais peut-être chercher un accès plus haut dans la montagne. Tu peux récupérer ? Ouais, super. Un accès plus haut dans la montagne. Allons chercher un accès plus haut dans la montagne. Ok, à mon avis, c'est là-haut. Hein. Et là, je vois pas comment monter en fait. Hein. Je peux pas passer là. Ah, mais attendez. Mais non. Comment on fait pour aller là-haut? Il y a des conduites. Elles mènent peut-être à l'intérieur. Des conduites. Mais comment les atteindre? Ah ouais. Il n'y a aucune accroche. Hein. C'est terrible. Les accroches là-bas. Je suis pas ici. Hein. Putain. On peut pas par ici. Hein. On peut pas par ici. Une certitude. Ah! Je suis tout prêt. Si j'arrive à convaincre Minerve de coopérer, je pourrai la fusionner avec Gaïa et la ramener. Ensuite, on pourra commencer à éliminer la Niel, les tempêtes, et elle pourra peut-être m'aider à comprendre qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Pourquoi ils avaient un clone d'Elisabeth? Et pourquoi ils voulaient une copie de secours? Ok, putain. Faut pas avoir le vertige, les amis, je vous le dis. Super. Allez. T'as pas peur, Aloy, t'as pas peur. Bon, c'est moi qui tiens les manettes, tu devrais, mais bon. Je pourrais peut-être planer jusqu'à ce rebord. Planer jusqu'à quel rebord là? Ouh, jusqu'à quel rebord? Ah là-bas. Putain. Ok. Oh putain. Tout ça pour une teplan.
C'est temps, franchement, je m'en veux. Hein. Allez. Ok. Ça fait que ces pierres ne sont pas stables. Merde. Je devrais pouvoir les enlever. Notre conduit. Waouh. Se creuser, c'est quelque chose, les amis. Bon, je vous le dis. Maintenant, je dois trouver une console. C'est énorme. On dirait une sorte de dôme. Je me demande à quoi il sert. Ah ouais, on tourne en rond. Oui. Oh. Allez, t'as pas peur, vas-y. Intrusion dans le noyau système. Ah ouais, tu croyais quoi, meuf? Yeah, on a réussi les amis. Non ! Ah ben là c'est pas lourd. Hein. Ça dit plus depuis 70 ans ces ballons. Minerve. On va continuer à le dire. J'ai besoin de la console. S'il te plaît. Accès refusé. Toujours été comme ça. Tu n'as aucun souvenir? Vraiment aucun? Tu faisais partie de quelque chose de plus grand. De bénéfique. Gaïa. C'est ça. Elle peut renaître. Mais seulement si tu lui permets. Je ne peux pas la relancer sans toi. Ma vie cessera. Je crois que tu disparais. M'énerve pas, m'énerve. Tu feras partie d'elle. Comme c'était avant. La souffrance cessera. Oui. Oui, la souffrance cessera. Merci. Merci, Minerve. Ouais. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction Minerve dans le code d'origine. Voilà, j'ai réussi mon encodage, c'est super. Voulez-vous initier la matrice heuristique? Waouh, que c'est beau. Ça va aller tout se battre dans ce projet. Hein. Ça va aller vraiment plus loin. C'est beau. Ça remonte le. Tu es Aloy, pas Elisabeth. Nous avons beaucoup à nous dire, mais l'initialisation de ma matrice heuristique ne sera pas terminée avant plusieurs minutes. En attendant, je te suggère de te familiariser avec ce bâtiment. C'est la meilleure base d'opération que nous pourrons trouver. Et tu peux utiliser son équipement pour améliorer ta capacité de piratage des machines. Oui, c'est une bonne idée. Dois-je autoriser l'accès à tes compagnons? Oui.
Ils ne vont pas tarder à arriver. D'accord, mais... vas-y doucement, d'accord ? Ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les choses... comme toi. Intelligence artificielle. C'est pas une blague cette fois. Non. Cette fois, c'est la vraie. Parle, Zo. Voici Gaïa. Bonjour. Salut. Salut. Gaïa est en train de se réveiller. Allez, jetons un œil. Je vais afficher l'emplacement du labo sur ton focus. Super. J'ai établi un réseau entre vos focus qui vous permettra de communiquer lorsque vous serez séparés. Bien. Et c'était quoi cet endroit ? Un centre de contrôle régional conçu pour que la progéniture d'Aube Zéro puisse superviser les opérations de terraformation locale. Et le creuset était tout, quoi. Cette salle était conçue pour être l'espace de rassemblement des agents du centre de contrôle. On peut faire tenir beaucoup de gens ici. Ou peut-être juste quelques-uns, pour commencer. Continuez sans moi, vous deux. Je vais... fouiller un peu. Alors, c'était censé être... un laboratoire. C'était le but initial. Certaines des données de machines que tu as récupérées dans l'atelier en dessous semblent être corrompues. En accédant au terminal de cette pièce, tu verras comment réparer et finaliser le piratage. D'accord. Je vais regarder. À mon avis, c'est là. Super. Ok, donc piratage disponible. Super. Il me faut des cornes de laboureur. Nerf primaire du laboureur. Super. Je n'ai rien de tout ça. Comme ça, au moins, c'est vu. Ah. On dirait que j'ai besoin de données de pièces de machine pour réparer le piratage corrompu. Mon initialisation est terminée. Tu peux continuer à explorer le bâtiment, Aloy. Quand tu seras prête, retourne à la salle des commandes. Nous devons parler. Ok. Eh bien, les amis, moi j'ai envie de vous dire que nous allons nous arrêter là-dessus. Je pense que l'on est bien. Voilà. Donc, merci à tous pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Il y a eu du sport, mais c'est passé. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien. On se dit bye bye, à très bientôt. Allez, ciao les loulous, bye. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get